Vous voulez délivrer? Qui doit être délivré? Vieux sorcier. Toi, tu viens de où? Elle est venue avec qui? C'est vous qui l'avez fait venir? Comment elle s'est retrouvée ici? Bon, à Abidjan, j'avais pour voisin un homme de Dieu. Moi, je ne savais pas. Parce que je suis marqué sur la chambre d'eau. C'est comme ça que je l'ai fait venir à côté de moi parce qu'elle était à la porte d'une carte des armées, au CM1. Donc, l'homme de Dieu a eu à dire à la femme avec qui il vit, ma femme, parce que notamment, elle parle avec la mort de Dieu. Et c'est comme ça, l'homme de Dieu a eu à dire à ma femme. Ma femme dit, ah, lui, là, moi, il aime sa fille, c'est lui, il va pouvoir croire à ça. Elle a mis du temps même, elle a mis plus de 5 mois. Un jour, elle a pris le courage à deux mains, puis elle a eu à me dire ça. Sur le champ, en tout cas, je ne vais pas supporter. Je vais faire une semaine sans manger. Parce que je ne voulais pas le samedi, je n'aime pas la société. Oui, c'est clair. Voilà. Donc, il fait une semaine pratiquement sans manger. Elle m'encourageait pour manger, que ça va. On peut faire ça à l'église. À l'église, on peut la délivrer. En tout cas, l'église, on va à l'église même. Elle va à l'église, même les pieds du sang, même là. On reste à l'église, elle va. Mais le Dieu dit, il faut qu'elle confesse. Maintenant, elle n'a rien voulu confesser. Même je lève, quand je lève ma mère, elle dit, papa, elle est partie confesser chez le papa. Quand elle va là-bas, elle m'a fait le travail, elle dit que non, elle est partie, elle n'a rien. Vous faites un boulot? Bon, je suis commercial piste. Hein? Je suis commercial piste à Vivo Énergie. Vous voulez délivrer? Papa dit, vous n'avez jamais confessé. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour être délivré? Vous reconnaissez la sorcellerie? Je reconnais que tu es sorcière. Oui, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Il est venu te confesser. Ben, on t'écoute. Il était à Saint-Pétro. Maintenant, quand où il était à la place de ceux deux, maintenant la grand-mère de mon papa. Vous permettez qu'on t'aide pas? Maintenant la grand-mère de mon papa. Elle voulait avoir mon papa. Maintenant, quand mon papa n'était pas auprès d'elle, maintenant, quand elle a vu comment était là-bas, là, elle voulait passer par moi pour détruire mon papa. Maintenant, elle est partie là-bas, c'est l'enseignement initié. Comment elle a fait pour t'initier? Elle était là-bas, moi, elle ne savait pas. Elle était innocente. Donc, elle était attachée à elle. Tout le monde qu'on lui donne, elle m'invitait, elle me prenait bien. Elle m'invitait en mangeant sang. Le premier jour, on lui a donné une nourriture, c'était lui. Elle sortit, puis elle avait vu de la même façon. Et puis, elle m'a donné de manger. Maintenant, la nuit, et là-bas, c'est une poussière, elle aussi était sorcière. Donc, la nuit, elle me réveille. Elle m'a réveillé qu'on n'a qu'à partir. Maintenant, elle est partie maintenant. Elle m'a donné que de l'eau, que de manger. Puis elle m'a donné son. Elle m'a dit que ce qu'elle a mangé là, que ce n'est pas gratuit. Que moi, j'ai remboursé. C'est ce dire. Maintenant, il y a ma tante là, elle là-bas. Elle s'appelle Tante Henriette. C'est elle qui a donné première. Tu lui as donné. Tu as donné. Elle te met. Vous connaissez Henriette là? Oui. Ok. Ils l'ont tué, tu l'as tué. Comment? Elle dormait dans sa chambre. Maintenant, elle laissait son argent, puis elle voyageait. Comme elle n'avait pas de bœuf, elle donnait son argent à ma tante, pour que ma tante ne paye pas de bœuf pour moi derrière elle. Elle va lui donner l'argent. Elle va vendre, elle va lui donner l'argent. Maintenant, ma tante, comme elle était occupée, elle avait marqué. Donc, elle donnait l'argent à la petite fille sorcière, pour que la petite fille paye pour venir vendre. La petite fille prend un peu d'argent pour que les pieds pour le reste, pour laisser ça là-bas. Maintenant, quand elle est là-bas, on prend l'argent, on met ça et puis on met le feu dessus. Non, comment tu l'as eu? On la voyait. Maintenant, quand je vais dormir, je suis partie. Elle va y aller, transformée en tout. On sait bon. C'est passé en bas des apôtres. En bas des apôtres là. Je suis partie, elle dormait. Maintenant, je me suis transformée en l'homme maintenant. Puis elle criait son nom. Alors, il y a trois fois. Puis son âme est venue, puis je suis partie ça. Elle transformait son âme en mouton. Et puis elle a tué. Ça m'a quand même dit que je sais qu'elle est forte. Comme il est tué là, elle va me donner tout encore qu'elle allait tuer encore. C'est ça, il a tué 5 personnes. Il a tué mon cousin, le fils de mon oncle. Il s'appelle Josaphat. Lui, il était avec une maladie. Maintenant, un temps, sa maladie, ça s'est calmé. Maintenant, moi, maintenant, comme il voulait le tuer, là, il a fait tenir sa maladie. Maintenant, il l'envoie chez les guérisseurs, ça ne passait pas. C'est ça, il l'envoie au village, le guérisseur, il est décédé en descendant. Toi qui l'as tué? Tu as gâté qui? Maintenant, il a tué un tonton. Lui, il était en état de santé de travail. Il venait voir le maquis de ma tante là. Maintenant, comme on était intelligent, il était attaché au monde. Il me donnait l'argent. Mon vrai. Dans l'argent, là, il a eu son mal. Et puis, il a tué dans le poisson. Hein? Comment tu as fait? Et lui, il avait un bois. Il y a un bois bien. Tout au bout. Ah!
Jaune amer. Il tombe à la maison, il tombe dans les maquis. C'est ça, un jour, une nuit, il était à avoir boisson. Puis il s'est transformé en gavillard. Et puis il a caché dedans. Il l'a bu, il est mort. Tu as fait quoi encore? Maintenant, mon papa, il s'est venu chez lui ici. Quand il s'est venu chez mon papa, il était à Saint-Pétro, à Bidjan, il s'est venu. Maintenant, elle m'a dit que quelqu'un a tué mon papa là. Il a tué ma maman là, puis il me fournit rien. Maintenant, je suis venue, maintenant mon papa, il a pris une femme là, elle était chrétienne. À cause de quand elle fait les choses contre mon papa là, ça ne fait pas. Donc elle a mis la colère dans le cœur de mon papa, pour que quand elle met comme ça, ils vont faire pas là. Là, quand c'est comme ça, elle va se fâcher. C'est ça. Et puis elle va tout. Donc elle chauffe son mort. Là, comme ça, il met la colère. Tout ce qu'elle va dire. Chacun a compris où? Hein? On a compris? Ah. Là, comme ça, quoi? Il est venu, quand je donnais l'argent, il m'envoie ça de l'eau quand on va payer, peut-être à l'école. Le déjeuner qu'il me donnait, à des fois au bouffe, à des fois au bouffe, il m'envoie ça là-bas. Et puis, on a mis ça dans le canapé. On vous donne l'argent, c'est problème. On vous donne pas, c'est problème. Ah! Tous les soucis. On vous maltraite. Je sens que la petite veut se débarrasser. Ouais. Tu sais pourquoi elle ne veut pas parler? Elle ne voit pas une solution là où elle s'en va. Ils savent. Ils vont se confier à toi. Et après. Ah ben, t'es sorcier. Non, il ne peut pas. S'il ne sent pas une assurance. Parce qu'après les aveux, il faut que la personne soit délivrée de la sorcellerie. C'est sans pas ça, elle ne se confie pas. Maintenant, il a pris son argent. Maintenant, elle va. Ouais, ça va aller. Je sais que tu aimes bien ta fille. Ça va aller. Tu as vu que la fille, ça ne dépend plus d'elle. Alors, on va l'aider. Allons-y. Ton papa t'aime beaucoup. Moi, je confie qu'il t'aime beaucoup. Il est choqué d'apprendre qu'une personne qu'elle aime le plus vive ça. Tu vois, c'est choqué. Vas-y. Maintenant, mon papa, son frère, ton frère, m'a dit que je suis mon nom. Non, comment je dis, je ne peux pas là. Et maintenant, il a initié sa fille. Attention, tu as initié, puis tu as l'initié. Pour que tu aies. Maintenant, il a initié sa fille. Maintenant, quand il a initié sa fille, il l'a programmé. Tu m'entends. Maintenant, il l'a programmé pour descendre. Le 24 décembre, il va mourir dans le site. Ce qui vient là. Tu vas être délivré. Tu veux laisser la sauce de vie? Non. Non, pas la foi. Dans la vie de cette fillette, dans le nom de Jésus de Nazareth, esprit de la sorcellerie, tu la libères maintenant. Maintenant, là, tu la libères. Tu libères son âme, tu libères son esprit. Tu libères son âme et tu libères son esprit. Parce que c'est bien. La puissance de Dieu. Comment ça passe? La puissance de Dieu. Reste là. La puissance de Dieu. Lâche-la. Tu vas quitter son esprit et tu vas la libérer dans le nom de Jésus. Libère-la
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de la sorcellerie qui habite ce corps, je m'adresse à toi, tu la quittes maintenant. Va-t'en. Va-t'en. Tu pars maintenant. Tu sors maintenant. Lâche-la. 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 Et la fille est sortie avec toi en sorcellerie. Hein? Elle t'a déjà dit ça? Elle a dit ça, comme elle n'a pas fait ressortir ça, tu chutes. Elle a dit ça au pasteur. Sinon, elle sort avec toi, c'est ta femme. Elle t'a épousée en sorcellerie. La puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Va! Manifeste-toi et quitte ce corps dans le nom de Jésus. C'est un ordre. Tu vas partir et libérer sa vie. Ton règne prend fin dans ce corps maintenant. Oui. Oui. Ton règne prend fin maintenant. Désormais, c'est l'Esprit de Dieu qui régnera dans elle. Il prendra le contrôle de sa destinée, de son corps. Maintenant même. Pas. Pas. Allez. Fichez-toi. Allez. Donnez des fidèles choses aux enfants. Sorcellerie, c'est pas un bon truc, non, c'est pas chocolat qu'on mange pour donner à un enfant. Pas! Les enfants qui aiment demander là. Tanti, donne-moi un bon photo là. Viens, prends. Bon photo là, fais ça, vrai beau photo. Tu as bien mangé beau photo. Tu quittes là, tu vas rendre témoignage. Fais! Les enfants n'aiment pas voir manger dans la main des gens. Ils luttent même dans la maison, la main de son papa, sa maman. Et la maman envoûtée, possédée. La maman pleut. Pain sucré. Mais c'est ce qu'elle va te donner. Vraie viande là, tu as mangé. La nuit, vous allez vous retrouver là-bas. Ce que tu as mangé là, rembourse pour moi. Allez, donne pour moi. Maintenant, ta peau, maman, celle que tu cherches maintenant à prendre, va la manger, elle soit graine. Fais! C'est pour cela que déparasiter les enfants. Vous avez compris? Déparasiter-les. Ah oui, chaque 2 mois. Notre eau là, c'est polio. Déparasiter les enfants, chaque 2 mois, comme ça, ils mangent moins. Sinon, ils vont manger jusqu'à quand ils vont aller manger de l'autre côté la nuit. Pendant que vous dormez, ils mangent. Ils continuent de manger. Fais! Va-t'en. Va. Va. C'est une lutte entre la puissance de Dieu. Entre la puissance de Dieu et les forces du mal. Une lutte entre la puissance du Saint-Esprit et les forces du mal. Et l'esprit, les démons sont plus à l'aise dans le corps humain. Donc du coup, il ne veut pas partir. C'est une lutte. Amen. C'est pour ça que par moi, il faut insister quand tu fais la délivrance. Il faut insister. Alléluia. Tu vas partir de ce corps. C'est pour cela que de l'air non sucré ne peut pas délivrer un possédé de la sorcellerie. Ne vous trompez pas. Ne jouez pas les choses spirituelles. Ne jouez pas. Si vous devez donner la protéine à un sorcier, donnez ça la protéine. Mais ça ne chasse pas un démon. Ni un parfum. Ni eau bénite. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. On peut faire une action prophétique. Ok, je peux comprendre. Mais chasser un démon, c'est le nom de Jésus. Vous devez utiliser, ordonner à ce démon qui est dans le corps de partir. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et au nom de Jésus, bien sûr. Sors! Va-t'en. Va-t'en. Voilà, va-t'en. Va-t'en.
Voilà. Sors! 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 Tu pars! Pars! Quitte! Lâche-la. Tu pars et tu la libères. Va. 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 Je compte à toi. Je compte à toi. Un. Deux. Trois. Va. Laisse-la, laisse-la, laisse-la. Va. Laisse son pied, laisse son pied. Je te cloue au sol. Je te cloue. Voilà, je te cloue au sol. Bouge plus! Tu bouges plus! Je te cloue au sol! Je te cloue au sol! Je te cloue au sol! Tu bouges plus! Esprit impur! Tu bouges plus! Voilà! Et va! Pousse ton dernier cri et va-t'en! Voilà! Tu bouges plus! Tu bouges plus! Tu pars. Voilà, va-t'en. Sors. Sors. Tu bouges plus. Et tu sors. Tu sors. Voilà, dégage. Libère-la. Tu vas et tu la libères. Voilà. Tu la libères, tu pars.
puis, qu'est-ce que... Moi, ça me gratte, gratte. Et puis, tu as senti quoi? Qu'est-ce que... Que tu as sorti le mot pour ça. C'est sorti. Mmh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va prier pour son Père. Tenez-vous debout et demandons au Seigneur de nous restaurer. Demandons au Seigneur de nous bénir. Prions ensemble, Seigneur. Nous te prions la puissance de ton esprit. Merci de manifester dans sa vie. Merci. Dans sa vie. Merci de te glorifier. Merci de nous donner la parole dans la manifestation de la puissance. Merci de nous restaurer. Merci de nous bénir. Merci de gloire. Nous tournons à toi, Frère. Nous prisons de te voir le Dieu dans sa vie. Que le pouvoir de Dieu ne soit jamais vaincu sur sa vie. Merci de nous restaurer. Merci de nous bénir. Merci de ta main sur sa vie. Merci de la délivrance que tu as. Au nom de Jésus. Et dans mon Dieu, amen. Amen. Tu retrouves maintenant ta fille délivrée. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Non, on se tient debout là-bas. On se met pas devant moi. Tu me promets de garder ce trésor et de la protéger. Voilà. Et il faut que ça soit oublié. Et comprendre que toi-même, tu viens de vivre la délivrance de ta fille. Et si vous quittez ici, c'est fini. Il ne faut plus revenir sur le sujet. Pour ne plus la traumatiser elle-même. Parce qu'elle peut être culpabilisée par ça. Oui, parce que je la sentais en train de regretter, plein de remords pendant qu'elle faisait des aveux. Ouais, parce que par moment, quand on finit de délivrer les gens, toi, sorcière, non, c'est pas un nom qu'on doit coller à quelqu'un. Elle a dit qu'elle était sorcière. Je pense qu'elle vient d'être délivrée, c'est fini. Voilà. Voilà. C'est fini. Il faut commencer à l'aider. Il faut commencer à... Beaucoup d'affections sont des cas. Il faut éviter de rappeler le passé, voilà, pour ne pas qu'elle soit affectée par ça. Voilà, ça va. Tu es délivré. Ça va. On ne va pas te faire. Tu as quelle classe? Wow. Tu as quel âge? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La rentrée, c'est quand? Hein? Où est la secrétaire? Où est la secrétaire? Je vais faire un cadeau. C'est bon. Dans sa vie, elle sera, tu seras meilleur. Ouais. Je vais te donner tout à l'heure mon contact et tu vas la suivre. 11 ans, elle a 11 ans en 5 ans. Alléluia. Est-ce que tu as compris un peu? Elle a 11 ans, elle passe en 5e. Il y a 16 ans ici qu'on fait 5 fois CMA. Il y a rien qui n'arrive même pas en 6e. Il redouble seulement. Il double seulement. Elle a 11 ans. Elle passe en 5e. C'est pour cela que j'encourage son papa à l'aider. Parce que c'est important, il faut qu'on l'aide. Ils sont chiffres qui gagnent, ils sont mauvais, hein. Fais chier là-bas. Oh, allez, on assoit, que Dieu bénisse. Moi, c'est Mekai Pulit. Et voici ma fille, elle était initiée par ma grand-mère. Et c'est l'année passée que j'étais loin, qu'on m'a appris ça, qu'on m'a dit ça. Et c'est comme ça, depuis Abidjan, j'ai parcouru moins de 2 églises où elle n'a pas retrouvé sa délivrance. C'est comme ça que depuis la Tunisie, j'ai entendu parler du prophète
Joël Carson, Tivo, et je suis venu pour la délivrance de ma fille. Je suis arrivé ici jeudi nuit et samedi nuit, ma fille a été totalement délivrée. Et vraiment, il y a un acte vraiment qui m'a vraiment impressionné. Et l'homme de Dieu, au lieu que je le soutienne pour la délivrance de ma fille, c'est lui au contraire qui me soutient en me donnant 30 000 francs pour la scolarité de ma fille. Vraiment, c'est quelqu'un vraiment appelé de Dieu. C'est un appel de Dieu et Dieu vraiment l'utilise. Il l'utilise et puis il fait du social. Puis bon, je demande à Dieu de l'utiliser davantage. Afin que vraiment il soit vraiment un Dieu plus que international. Même. C'est vraiment une émotion. Je suis très content de la vie de ma fille.